je suis fier de mon pays, je suis fier de tous les joueurs, de la nation du Mali, je suis fier de moi-même. Je suis fier de cette équipe-là. On va remporter la coupe, Inch'Allah, je vous jure. C'est de remporter la coupe et de venir à Bamako. Voilà les Zakoïs à l'aéroport de Sénou ici, à Bamako. Inch'Allah. Franchement, je suis très épanoui par ce but de Nené Dorgelès. Il a ouvert ce magnifique beau but. Lucarne. Franchement, j'ai pas les mots. Le Mali, c'est vraiment un pays incroyable. Magique. Y a pas les mots. Le Mali, c'est vraiment un pays incroyable. Et dernière chose, dédicace à BYD. Dédicace à BYD. On n'est pas content, mais bon, ce n'est qu'un match et tout. Donc, on va essayer prochainement. Donc, voilà. Tranquille, quoi. Pour dire vrai, j'avais pas cru. Mais je voulais que l'équipe là. Passe à la, disons, quart de finale, le fait. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, mon slogan est que quand on va battre la Côte d'Ivoire, on va remporter la Coupe, au fait. Donc voilà, c'était ça mon slogan. En fait. Le match, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. C'était un match serré. La Côte d'Ivoire, le Mali, comme d'habitude, c'était pas du tout facile. Nos aigles ont mouillé le maillot. Mais bon, il n'empêche qu'on est triste, quoi. Mais malgré tout, je trouve que c'est beaucoup plus établi. En première mi-temps, c'est un jeu un petit peu pour tous, à partir dans tous les sens, et pas vraiment...